Route, attention, un nouveau radar filmant à l'intérieur des véhicules entre en action en 2024, voici les villes concernées. En 2024, un nouveau type de radar automatique sera déployé pour surveiller les voies de covoiturage, utilisant des radars thermiques pour détecter les infractions en analysant l'intérieur des véhicules. Ces radars équipés de capteurs infrarouges visent à faire respecter les règles dans les voies de covoiturage, dédiées aux véhicules transportant deux personnes ou plus, y compris ceux avec la vignette critère 0. Le dispositif opérationnel dès janvier capture le nombre de personnes à l'intérieur des véhicules et peut même détecter les faux passagers. En cas d'infraction, une photo de la plaque d'immatriculation est transmise aux forces de l'ordre, entraînant une amende de 135 €, réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours. Lyon sera la première ville à installer ses radars thermiques, suivie par d'autres grandes villes telles que Lille, Strasbourg et éventuellement Paris, pour les voies réservées aux Jeux Olympiques. L'utilisation de l'intelligence artificielle vise à automatiser la verbalisation des infractions routières en exploitant les données collectées par des caméras spécialisées pour déterminer si l'automobiliste est en infraction, marquant ainsi une avancée significative pour la sécurité routière.